bienvenue dans cette nouvelle vidéo et je vous retrouve avec Miss Imane. Ça fait au moins la troisième fois que t'es dans ma vidéo en fait. Que j'apparais, mais je suis pas présentée. Pas présentée, vas-y présente-toi. Bah je suis investie. Pour l'instant parce que là... On va faire un petit pari d'ailleurs. Si les questions sont pas bonnes, pas tu me dis. Clairement, ouais. Ouais. En tout cas, présente-toi et après genre on introduit la vidéo. Je vais me présenter à quel point? Tu te présentes, tu dis quelle étude tu fais, qu'est-ce que tu fais dans la vie, peut-être depuis combien de temps on se connaît, voilà. Ça va être dans l'élection ou pas? Non, ça va pas être dans l'élection. Alors, bon, étudiante en communication, deuxième année, réorientation parce que beaucoup de difficultés. En alternance, j'ai trouvé mon entreprise, donc là tout va bien. on se connaît depuis... le CM2. Ouais. Elle était devant moi depuis qu'elle s'est retournée là. On est ensemble. Et puis je suis dans la vie active depuis mes 18 ans. Voilà. Le thème de cette vidéo, ça va être un mukbang. Je sais pas si j'arrive. Mukbang. Ok. Mukbang. Mais un petit mukbang, c'est pas les gros mukbang. Mukbang. Je sais pas si déjà j'arrive à manger en parlant. Déjà ça, je sais pas si je vais réussir à faire. Ah, c'est vrai. Et en plus de ça, je vais te poser les questions. Et on va voir si Imane me connaît bien. On va voir si Imane, qui me connaît depuis là, me connaît bien. Attendez, il y a eu une pause, hein. Dans notre amitié, il y a eu une pause. On se parlait toujours, mais il y a eu une pause. Parce qu'elle était à l'autre bout de la planète. La distance ne sépare pas l'amour. Donc en vrai, c'est comme les couples. Si tu veux me dire que tu veux te mettre avec une go et que tu l'aimes, et que toi tu es je sais pas où, tu es en Chine, l'autre au Canada, si vous avez décidé de faire votre amour comme ça, vous allez seulement supporter. C'est pas ça qui va arrêter la discussion, la communication, la compréhension. Donc si tu rates les questions là, c'est que tu me connaissais pas bien. C'est tout. Bon, qu'est-ce qu'on mange? Tes questions d'abord. Ah oui. On a fait un petit mukbang du coup. Pizza Domino's en fait. Cannibal pour moi. Et moi c'était quoi? Croque monsieur. Croque monsieur pour elle. Vas-y. Sauce pimentée la base parce que. Moi je mets pas de sauce pimentée. C'est trop bizarre. Je mets pas de sauce pimentée en fait. Pas de sauce pimentée en fait. Est-ce que je vais réussir à manger en parlant? Bah tu me poses des questions, de toute façon c'est moi qui parle le plus. Hein. Là oui. Ça se trouve, il y a des gens qui n'aiment pas les bruits de bouche et ils sont là, ils nous écoutent. Si vous n'aimez pas, vous pouvez partir dès maintenant. Je suis désolée. Parce que. C'est vrai, le bâtard. En fait. Non, je suis désolée, mais moi. Non, bah non, je n'arrive pas à regarder ce genre de vidéos, donc je sais pas comment vous allez faire pour comment regarder. Comment je regarde? Et puis, je sais pas si moi, je fais ça, mais moi je regarde et puis je mange à côté. J'ai des problèmes. Genre le fait que l'autre personne mange te donne envie de manger? Ouais. Ah ok, je vois. Ça me donne trop envie. Genre carrément des fois je suis là, je vais me dire tu vois ils vont manger des seafood, genre les trucs comme ça. Comment ça j'ai envie? Comment ça? Faut pas attendre. Seafood genre quoi? Le homard genre les... T'as goûté? Mais c'est bon, mais genre c'est pas ça qui va me donner envie. Ça me donne mal envie. Là 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 là. Genre tu me dis des moules frites? Vas-y je te dis genre... T'es tellement une campagnarde genre... Elle veut pas évoluer votre Elle va juger fort. Mais déjà je suis normande mais il n'y a pas les moules frites chez nous tu vois. Ah bon? Bah... C'est pas chez vous? C'est Bretagne. Vous voyez elle commence déjà à flop. Et j'aurais dû mettre ça dans les questions. Bon commençons les questions. Déjà meuf, faut pas trop regarder mon téléphone en fait. Hein. Mets les pizzas là-bas tu vas faire ça tomber je te t'inquiète. Quelle est l'expression que je dis tout le temps en ce moment? En ce moment? Ouais. Ma bébé, ma bébé, ma bébé. Aigle, 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 aigle. C'est trop simple. C'est trop ça. Et depuis hier, on est dessus. C'est trop ça. Et je crois que j'ai même pas dit bonne année. Bonne année. Alors on filme cette vidéo, on est le 3 février, j'ai eu la Côte d'Ivoire, on s'en fout. Pardon, Côte d'Ivoire va perdre même quand elle m'a parlé là. Tu fais non. La Côte d'Ivoire perd. Déjà tu as un point. L'humilité. Nous sommes humbles. Qui est Camerounais n'est pas humble en fait? Qui est Ivoirien n'est pas humble? Allez là. Sauf que être humble, parce que la CANSI nous a montré qu'il n'y a pas de petite équipe en fait. Il n'y a pas de petite équipe. Comment ça le Congo part en demi-finale? Comment ça... Pardon, on va t'aventurer la voix. C'est chaud, ma bébé, Bref. Ok, t'as trouvé. Quelle est ma couleur préférée? Attendez. Story time. Depuis ce matin, je lui demande sa couleur préférée. Elle veut pas me dire.
En plus, elle a essayé. Genre, je sais pas ce que j'ai dit. Ah oui, j'ai dit tout à l'heure, je vais mettre un jean noir. Et elle m'a dit, ah, du coup, c'est ta couleur préférée. J'ai dit, bah non, en fait, c'est juste que ça passe avec tout. Elle a essayé 2-3 fois, t'as essayé. Bon, donne-moi 3 chances. Ok, 3 chances. Il y a une chance pour tout. 3 ! Mais quelle 3 chances ? Bon. Du coup, c'est pas noir. Ne cherche pas à me poser des questions. Donne ta réponse. Si c'est pas ça, tant pis pour toi. Je dirais bleu. Bleu ? Mmh. Pas du tout. C'est vrai que j'ai des périodes où j'aime des couleurs. Voilà, c'est ça ton souci en fait. C'est vrai que j'ai des périodes où j'aime des couleurs. Par exemple, en terminale, je sais que j'adorais genre le jaune moutarde alors que j'aime pas le jaune. Tu sais qu'à la base, ta couleur c'est le jaune et puis t'as un rouge. Le jaune ? Oui, t'as des tendances jaunes. Quand tu t'habilles, des fois, t'es toujours en jaune. Comment ça, tu mens comme ça ? Ah bon ? J'étais à quel jaune en quel moment ? T'as pas été jaune, toi ? Je suis sûre que t'as été jaune de ta vie. Il y a une période où j'ai aimé le kaki, où je m'habillais tout le temps avec des touches de kaki. C'est même pas kaki, c'était militaire. Voilà, j'ai eu la période de jaune moutarde. Mais ça voulait pas dire que genre je m'habillais tout le temps en jaune. C'est juste j'avais la période où je m'habillais en jaune. L'année dernière, j'ai eu une période de bleu. Mais ma couleur préférée, c'est le noir, ma belle. Donc. C'était pas bleu en tout cas. Mais t'as le bleu, je peux dire, parce que t'as un moment t'as aimé le bleu. À un moment j'ai aimé le bleu, mais ça veut pas dire que c'est ma couleur préférée. Continue. Vous voyez comment elle est Allez-y. Quelles sont mes phobies? Genre mes phobies. Mes phobies, genre vraiment mes phobies. Mais où tu fais ah? Genre, enfin, pas forcément là où je fais ah, mais genre des trucs que genre j'ai vraiment peur. Vraiment vraiment peur? Ouais. Là t'as les phobies de l'eau. Ouais, phobie. Genre, quand je dis phobie de l'eau, ça veut pas dire que je me lave pas. Hein. C'est juste. Non. J'ai la peur, genre, les d'être piscines, au milieu. Ça, genre, là. Piscine, mer, tout ça. Pour ouais. Le moment, j'ai la phobie de l'eau, c'est vrai. Quelle autre phobie C'est pas vraiment une phobie, mais tu sais, quand il y a. Tu peux en citer trois. Quand il y a des. Il y a beaucoup de monde. Ouais, ça c'est vrai, c'est vrai. Tu me l'as transmise un peu après. Je te jure. Moi, j'aime pas. Genre, vraiment, quand il y a trop de monde, genre, je sais pas. Genre, par exemple, je peux pas rester dans une salle d'examen où il y a trop de monde. Ouais, parce que t'as accusé des examens. Ouais. Je faisais des examens en salle isolée parce que, genre, je pouvais pas en fait. Genre, j'arrivais pas à me concentrer. Je sais pas, il y a une atmosphère que j'arrivais pas. Je comprends. Après, la troisième. Déjà, là, t'as trouvé deux. C'est beaucoup. Donc, normalement, ça le prend. Mais trouve encore. Et on va en faire une troisième. Et puis, c'est bon. C'est chaud, il y en a deux, Après, c'est pas ta phobie. T'aimes pas la justice. Mais c'est pas une phobie, ça. La justice. L'injustice. L'injustice, ouais, c'est vrai. Mais c'est pas une phobie, genre, non. C'est juste que. Ouais, c'est juste. Je suis grave une militante, genre. Ouais, t'es fou. Genre, vraiment, si je peux arracher les yeux de quelqu'un parce que, genre, il a créé une injustice. Non, mais. Non, mais attends. Non, j'ai pas, je crois, troisième. En tout cas, elle a quand même le point. Mais mes autres phobies, j'ai peur des serpents, genre, vraiment. En fait, j'hésitais entre insectes, mais je voulais pas dire de bêtises. Ouais. Je savais pas si c'était insectes. J'ai peur des serpents. Par contre, j'adore les motifs. Genre serpent, c'est ça, mais c'est j'ai théorie, peur genre sur cette couleur. J'ai peur genre des animaux, genre tu viens mettre un serpent sur moi. Je suis prête à pisser sur moi. Quand elle a la place verte là, je sais plus qui t'a mis un truc devant le visage, t'as couru. J'ai trop peur des serpents. Et le deuxième truc, c'est une ancienne phobie. J'avais peur de l'avion. Je te jure, j'avais peur. Ah bon? Ouais. Je prenais des médicaments pour aller dans l'avion, genre tellement j'avais peur. Mais t'étais toujours entre deux. Toujours dans l'avion, genre vraiment toujours dans l'avion, mais genre, je pensais que au crash. Ah, je te jure, ça m'est même pas venu à l'esprit tellement t'es entre. T'étais dans l'avion. Genre, même avant que tu prennes. C'est maintenant que tu prends encore plus l'avion, mais quand t'étais petite, même tu prends l'avion. J'avoue. Donc, ça m'a vraiment pas effleuré. Mais genre, j'avais trop peur de l'avion, genre vraiment. Genre, une fois même, j'ai voyagé avec une tata et j'ai vomi dans ses mains tellement, genre, j'avais peur. Genre, père à ton âme, tata pas tout, mais genre. Ah, c'est vrai ? Ouais, j'avais tellement. Mais elle est tellement maternelle que, genre, enfin. Tu vois, genre directement. Yo. Genre directement. Directement. Non, je comprends. Même moi, quand ma nièce a vomi, c'est direct. Ça, en fait, tu veux juste récupérer. Bref, t'as deux points. Quatrième question. Mm-hmm. Quels sont les sports que j'ai fait depuis toute petite? Les sports. T'as fait boxe. T'as fait judo? Non. T'as fait un truc karaté? Non. Piscine? Est-ce que piscine on peut compter? Ouais, on peut compter, ouais.
Basket. T'as joué basket? Ouais, essaye de tester. T'as une chance encore. Ok. Déjà là, t'as trouvé. Et de base, t'es pas censé dire. Là, t'as fait plus de réponses. T'as fait 3 réponses. Donc, je pense que je te donne pas le point. Non, mais arrête. Non, mais t'as fait judo? T'as pas fait de karaté? Oui, mais bah, non, t'as testé. T'as trop testé en fait. Ça compte pas là maintenant, c'est 0 là. Parce que t'as testé. Mais arrête. Fallait donner les réponses. 3 réponses. Moi, j'ai fait quoi de ce moment? J'ai fait danse. T'as fait. Oh! Mais t'as vieille danse! C'est pas jazz contemporain, un truc comme ça là? Modern jazz. Vas-y, bref! Est-ce que moi je compte ça comme un sport? Mais c'est une danse, mon. Mais c'est pareil qu'une danse. Si tu m'avais dit danse, j'aurais pensé. Je connais ton truc du contemporain, jazz, même chose là. C'est bon, elle ne connaissait pas. Elle faisait ça, puis elle allait danser sur la place du marché pour nous donner. C'était grave nul. Ouais, comment est-ce que tu peux nous juger comme ça? Mes vidéos, tu vas voir. Mais j'ai même fait vidéo. Je me rappelle pas. Quelle est la personne que j'ai vraiment aimée dans ma life? Première lettre du prénom, juste. C'est pas J. Petite. C'est pas les gens. C'est le L alors. Non, mais genre, j'ai vraiment aimé, genre. Est-ce que c'était en primaire? Non, mais que j'ai vraiment. Genre, la personne que j'ai vraiment aimée dans ma life, jusqu'à maintenant. T'as dit J au début, donc c'est 0. Oui, non, comme attends, en termes de quoi? Mais aimer quelqu'un, mon. En mode. In love? Oui. Mais je sais pas. Attends. Mais c'est le N alors? Bah oui, mais t'as d'abord dit J en fait. Parce que c'est mon chouchou, je suis désolée. Je l'ai dit en fait. Mais tout de suite après j'ai dit N. J'ai pas dit les embuscades que t'as fait entre temps, hein. Et qui, est-ce qu'on peut me juger comme ça? Il y a une embuscade, toi, tu sais que je. Comment il s'appelle? C'est pas le. C'est un autre J. Ça compte pas. Déjà, de toute façon, j'ai pas d'ex. Bah, ça, c'est son choix si t'as pas envie d'avoir. Je juge pas. Tu fais ce que tu veux. Ah putain, vous voyez ce genre d'amis? Elle aime trop te rappeler tes mauvais souvenirs. Non, mais attendez, elle a eu des embuscades. Elle m'en a pas parlé et je découvre sur le tas. Moi je suis désolée, je suis obligée. Vas-y, continue. Quels sont pour moi les 3 tue l'amour? Je sais, un mec il est comme ça, genre vas-y, casse. Déjà, t'aimes pas qu'on parle mal. Ouais. Et il était. Et pourtant, je suis sortie avec quelqu'un qui parlait très mal. Ouais, ouais, du coup, je te l'ai dit en plus plusieurs fois. Mais bon. Ouais. Vas-y, on a laissé passer. Enfin, tu l'as laissé passer parce que. Love to love. Plus jamais, je pense. Plus jamais, j'écoute mon cœur. Et que jamais, je te laisse écouter ton cœur. Ok. Voilà. Et bon, l'insolence, ça, quand quelqu'un parle mal, c'est pas bien. Putain, mais il y avait tous les tués amours en fait. Mais vas-y. Qui respectait pas sa famille. Ah oh oui, j'ai juste assis des vidéos. Bah, attendez. Qui respectait pas sa famille. Et puis quand il est, tu sais, genre, je sais que ça, c'est un tué l'amour. Genre, quand t'écris trop de fautes ou genre t'écris bizarrement. Genre, c'est comme si t'écris ça va. X A V A. Ou les, ça dit quoi? S D S D K là. Ah ish. Voilà. Un gars comme ça là. Et les wesh. Les wesh wesh là. En ce moment là, les wesh wesh, faut pas les entendre. Et ouais, c'est bien trouvé en vrai. Tu peux même encore dire. Ça donne des points. 1 point, 1 question. Ok. Cite les 3 critères qui sont très importants pour machin mec. Qui sont ouverts d'esprit. Ouais. Genre vraiment open. Genre vraiment de fou. Mm-hmm. Proche de sa famille. Ouais, mais. Non, genre dans la. Comme toi, t'es proche de ta famille, genre de ta mère et tout, c'est comme ça que tu veux. Genre, ouais, j'aimerais vraiment que, genre. Qu'il ait une relation. Il minimise pas sa famille, ouais, voilà. Sa mère, son père. Ouais, ouais, c'est pas qu'il mette en avant sa famille et ouais, ouais. Faire passer avant sa famille, ouais. Toi. Mais genre. Oh. Mais après, ça, c'est normal. Oui, genre, non, moi, mais. Un mec va jamais passer avant mais ma mère. Mais imagine, genre, t'es mariée et tout. Ouais. Genre, il y a un moment où, genre, tu vas quand même t'éloigner de ta mère. Pour, parce que t'as ta famille à toi. Genre, je sais pas mais... si toi. Et toi, là, je sais que toi, t'es très famille aussi. Moi, je pense pas, genre, peu importe, genre, si je me marie demain, genre, ma mère, mais MDR, genre, si ma mère, elle dit, ouais, j'ai envie de venir te voir, de venir et tout. Oui, bien ma sûr. Ma mère, elle va dormir, tout ce qui va se passer dans mon truc, genre, je vais dire à ma mère, ouais, ta petite fille ou ton petit fils, il a fait ceci, il a fait ça. Mais parce que ta mère, elle est bienveillante. Oui, et c'est aussi parce que, genre, j'ai été élevée où, genre, je devais tout dire à ma mère, tu vois. C'est mieux pour toi, même. Ouais. C'est mieux pour toi. Genre, je devais tout dire à ma mère, mais sinon. Mais tu vois, les gens ils sont pas super bienveillants. Ouais, c'est-à-dire que quand tu vas parler à ta famille, genre il y a du recul à voir. C'est vrai, c'est vrai. Du coup, ça. Beau gosse. Ouais. Je peux pas sortir avec quelqu'un qui est. Ou. Tu comme ça, les gens screen après, on devient les mêmes. Non. Attends, je. Attends, je du cas là. Ouais. Quelle est ma marque de luxe préférée?
Genre une marque de luxe que genre j'ai. Et je crois qu'on a déjà parlé. À chaque fois je me trompe. Attends. Genre une marque où genre j'ai beaucoup. Que t'as beaucoup? Ouais. Coach? C'est parce que j'ai mis ton sac aujourd'hui. Ouais, elle a déjà 0 points. T'es tellement mauvaise. T'as déjà 0. Mais t'es tellement mauvaise. T'as déjà 0. Bah donc voilà, attends. Mais Michael Kors t'aimes pas tant que ça? Ouais, non, c'est pas Michael Kors. En plus pour moi ça c'est pas le luxe. Ouais, je sais. Je peux aller voir dans ta chambre vite fait. Pourquoi aller voir? Parce que je crois que j'ai l'idée, mais faut que j'aille là. De luxe. De luxe. Goyard. Je savais. Je te jure, je savais. Goyard, genre vraiment, j'aime trop ses motifs. Quelle est ma chanteuse préférée? Bah, Rihanna. Elle m'a regardé avec mépris là. Et c'est parce que. Rihanna, sa chanteuse préférée. Son ambassadrice préférée. Sa femme préférée. Je te dis, ma mère. C'est-à-dire que. Après ça, bon, voilà, il y a Rihanna et puis il y a moi et puis il y a Iman. Vas-y. Ton artiste? Mon chanteur préféré. C'est pas Aigle. Fanny, il peut pas dire comme la merveille. Quel est mon signe astrologique préféré? Préféré. Quel est mon signe astrologique? Ton signe. Je crois que t'es le Verseau. Ouais. Vas-y, tu trouves, hein. Quelle est ma ville de naissance plus arrondissement? T'es née à Paris? Ouais. T'es malade dans le 14? Pas du tout. Dans le 12. Bon, t'as raté. 12. 18ème. 18ème arrondissement. Et j'ai grandi dans le. Hein? Dans le 18? Non, je suis née dans le 18 et j'ai grandi dans le 10ème arrondissement. T'es tellement au ghetto. Ah bah. Écoute. T'es tellement au ghetto, c'est pas le quartier qui nous quitte. C'est moi, je quitte la quartier. Le quartier. Aïe. Waouh. Elle est belle. Elle est belle la France. Tu t'avais raconté ou pas? De quoi? Elle est belle la France. C'est toi qui m'as raconté? Il y avait un mec là, on sortait du bowling avec mes potes de sa vie. Ah oui! Et un mec là, il vient, il dit. Un arabe en plus, hein. Il vient, il dit. Non mais genre, c'est vrai, genre. Lui-même, il est pas français. Il est pas blanc. Pourquoi est-ce que tu viens dire ça? Genre, il vient, il dit. Elle est belle la France, hein. Elle est passée où? La Bretagne, la Belgique. Enfin, pas la Belgique, la. Je sais pas ce qu'il a dit là, il a cité une région là. La Bretagne, la Normandie, nanana, il citait les régions. C'est normal. Ta mère con. Moi-même je lui ai dit ça. Hein. Bref. À quel âge mes parents ont-ils divorcé? Ils t'ont eu tôt? Je sais pas, c'était longtemps ensemble. Genre 4 ans, non? 3 secondes. Allez, bim. Attends, mais ça veut dire à quel âge ça? Déjà, je sais pas. Cette question ne compte pas. Non, je vais en rajouter une autre. Vous voyez comment elle m'a eu? Cette question ne compte pas. Donc les points seront sur 24. Parce que là, j'ai pas eu le temps de réfléchir à la dernière question. Mais je t'ai juste. Désolée, ma belle. Mais déjà, je suis à ça. Ah, si, j'ai une autre question. Ok, je vais la remplacer. Je vais remplacer cette question parce que là, tu m'as eu. Alors. Attends, moi-même, je compte. Combien d'années au total j'ai vécu au Cameroun? Waouh! Attends, ça je peux compter. Vas-y, compte. T'es parti où? Sachant que, genre, j'étais en France, je suis partie au Cameroun, je suis revenue en France et je suis repartie au Cameroun. Oh, mais t'es mauvaise. Non, je vous jure, elle est mauvaise parce que elle est partie avant, même que moi je la connaisse. Mais je t'ai raconté. Mais tu m'as raconté, mais dans tous les cas. Allez, ma belle. Ta vie après moi, elle compte pas en fait. Faut trouver. Ma non. Vie après toi, tout ça. Ça doit être en deux points, ça. Ça doit être en deux points. Une partie. Ouais, comment c'est une tricheuse là. Une partie où. Je crois que t'as fait 3 ans la première fois. Si j'ai fait combien d'années? Ah, non! Je t'ai dit en deux points, je rigole pas. Ok. 3 ans la première fois. Et après. Attends. Ok. Troisième. Après, t'as fait 6 ans. Donc ça fait. Non, en deux points. 3 ans et puis 6 ans. C'est 9 ans au total. Ah hey. Alors, qui peut? Quelle est ma taille? Genre ma taille. Mets-toi debout. Mets-toi debout, tu vas le mettre. Mets-toi debout. Elle dit mets-toi debout. En fonction de moi, tu veux savoir? Hein? Mets-toi debout. Tu crois en fonction de toi, tu vas savoir? Vas-y. Attendez. Vas-y, dis alors. Je dirais que tu fais 1m62. Pas du tout. 72. 1m73. Allez hop. Je sais pas. Non, j'ai mal cadré. Parfait. 1m73, ok. C'est moi ou la caméra elle est penchée? J'ai l'impression, ouais.
Attendez. Ou c'est parce que j'ai décalé? Ça va là, non? Non, c'est peut-être moi. Ça va? Ouais, pour moi c'est bon. Mais j'ai l'impression qu'elle est... Bon, j'ai peut-être parce qu'on regarde à travers le... Ouais, je pense aussi. Je pense aussi. Quel est le prochain concert où je vais aller? C'est bon, t'as trouvé. Encore un point. Quelles sont les deux matières préférées? Marketing. Mm-hmm. De cette année là? Ou de manière générale? De cette année, on va dire. Cette année, moi je sais pas toutes les matières que t'as, moi je sais. Je dirais que, bon, de toute façon, marketing de base. Et après, t'as encore le droit? Frère, t'aimes pas le droit de façon. Mais comment elle essaye de chercher les réponses? C'est une vraie bandite. Mais toi aussi tu as. Tu me fais souffrir. Oh. Attendez. Marketing, c'est sûr. Après. T'as pas comme matière, tu me l'as cité vite. Oh bah vas-y, c'est Léon. Mais frère, je te dis ça tout le temps. Non. Tu peux pas me connaître sans savoir que j'aime ces deux matières. Économie? Y'a pas économie. Fous le camp. Économie, je déteste l'économie. Mais c'est pour ça? C'est bon, tu as raté. Non, attends! Attends, dis-moi juste les matières. Non. Dis-moi juste les matières. Les matières de base des écoles de commerce, quoi. Moi, je te dis ce que j'ai, tu vas me dire si tu es là. Mais toi, t'es en école de communication. Non, parce qu'on fait un peu quand même. J'ai fait de commerce aussi. J'essaie de tricher. J'ai fait, regarde. Marketing, regarde. C'est bon, ça se rapproche du marketing. Vas-y. Y'a marketing? Y'a RH? Ça se rapproche du marketing. Ah, ça rapproche du marketing. Oui. Management? Pas du tout. C'est marketing et communication. Tu aimes la communication? Ouais, ok. J'ai une agence de communication, j'aime pas la communication. Bah, c'est pas dire que t'aimes la communication. Tu vas alors faire ça pour quoi? Je suis en filière de communication, j'aime pas la communication. Hein. Qu'est-ce que tu cherches alors là-bas? Juste l'événementiel. Ça m'intéresse pas tout ouais. Le reste. Hein. C'est 5 pays où je suis allée. Alors, non, 5 pays en Afrique. Non, ça là, c'est bon, j'accepte pas. 5 pays en Afrique où je suis allée. J'accepte pas. Ma belle, c'est facile en plus. Maroc. Ok. Sénégal. Ok. Cameroun. Ok. Rwanda. Mm-hmm. T'en as combien là? 4. T'es sûr que t'en as fait 5? Oui. Pays au nord ou à l'est? Ou au sud? À l'ouest. À l'ouest encore? T'es pas allé en Côte d'Ivoire. Allô, Mali? Voilà! Regarde! En plus, tu t'es testé encore! C'est vraiment une ouf! Ok. Quel est mon deuxième prénom? Rachel. Bah ouais, évidemment, c'est ça, tu trouvais pas. Tu sortais là, hein? Quel est mon prochain tatouage? Je te l'ai dit hier en plus. Oh! Bah, heureusement! En plus, elle m'a dit où elle allait le faire, je vais pas vous le dire. Je l'ai juste là, faut juste que je le retrouve en français. One Life. En français, c'est en anglais? Ouais. T'inquiète. Quelles sont les choses qui m'agacent le plus? En plus, on a déjà dit un peu. Ouais, un peu. En fait, j'ai cité tout à l'heure. Vas-y. Donc, je te donne le point, tu l'as déjà dit. Quelle est la célébrité que je rêverais de voir? En dehors de Rihanna? Pourquoi tu cherches les réponses? Bah, Rihanna. Ok, et c'est ça. Bah, je sais pas. C'est ça. Bah, logique. C'est chaud, ma belle. Quel est mon film préféré? Ça, je suis pas sûre que tu puisses trouver. Ton film préféré, c'est pas le gars qui a une valise et même son gosse. Je connais. C'est trop ça. Moi, c'est mon préféré un peu. Vas-y. Ok. Mais je trouve le titre alors. Attends, Bonheur. Et je te jure. Il y a Bonheur dedans. Je sais qu'il y a Bonheur, mais je le. Attends. Non, le reste, j'ai pas, mais je sais que c'est Bonheur et que. Attends, je peux tout citer. C'est Will Smith qui joue l'acteur principal. Il a un fils, genre, la mère, elle s'en va parce que, enfin, problème de sous et tout, nan. Et il découvre qu'il est en galère, il enchaîne les. Alors, tu voyais un peu. Vas-y, je te donne le point. C'est à la recherche du bonheur, merci. C'est ça. En tout cas, et puis voilà, le bonheur, le sourire, quoi. Quelle est ma plus belle qualité? Pour moi, ta plus belle qualité? Non, même. Ouais, vas-y. Bah ouais, pour moi. Ouais. En vrai, non, t'es généreuse de fou. C'est trop vrai! Mais par contre, pour qu'elle soit généreuse, hein, faut qu'elle ait dans son cœur. Ouais, j'avoue. Sinon, je te donne. Genre, sinon, même un centime, je te donne. Bouge la tête. Prends la pote. C'est tout. Mais faut connaître, vous l'avez dans votre cœur. Si vous n'avez pas, vous avez fait du haut. C'est pas moi. Quel est mon pire défaut? Je dirais que t'es pas patiente. Ouais, ça, c'est trop réel.
Genre c'est trop réel, genre j'ai la bougeotte, genre quand je sais que frère, quelque chose est censé arriver dans 20 minutes. Qu'est-ce qui règle la 30 minutes dans 10 minutes plutôt. Non, je sais que je vais avoir un truc à tel moment, il faut que ça arrive à tel moment. Même si elle est en retard, c'est pas son souci. C'est pas mon souci, faut que le truc là soit là-bas. Quand je vous dis qu'on sent elle et moi, je suis pas là, il m'a dit où, il m'a dit, j'aime pas quand vous répond pas. Je vous dis, c'est bon, elle a joué la bête du style aussi. Dans tous les cas, j'arrive. Qu'est-ce que je fais quand j'ai rien à faire? C'est la dernière question. Sieste. C'est trop ça. Sieste. Toute la journée là, sieste. Quand j'ai rien à faire, je dors. Elle profite, hein, parce que sa journée, ma soeur et moi on dit que sa journée dure plus de 24 heures, tellement c'est madame c'est la présidente. Ça veut dire que c'est trop réel. Quand j'ai un petit temps là, je dors, c'est mon tout. Dieu. Alors, attends, j'ai calculé les points en fait. Alors, ça va, tu me connais bien en vrai. Alors, en vrai, tu me connais bien. Donc, en tout cas, t'as déjà plus de la moitié, tu vois. Donc là, ça fait déjà 12. 16, 18. Donc t'as 18 sur 25. Quand même, hein. Mais j'aurais préféré plus. C'est parce que t'es une mauvaise personne. Je suis pas une mauvaise personne, c'est toi qui as essayé. Et puis c'est sur 24, hein, c'est pas sur 25. Non, parce que j'ai changé la question. J'ai dit combien de temps j'avais vécu au Cameroun. Ah, j'ai le point. Comment elle veut. Elle veut un peu. J'aime tricher gagner. Encore. Non, j'aime gagner. Aïe aïe aïe. En tout cas, moi j'ai adoré ce genre de vidéo. Je sais pas ce que t'en as pensé. On va voir ce que les gens c'était vont dire. C'était juste que j'ai pas le temps de bien manger. Je suis désolée. Ouais, c'est vrai. Genre vraiment, c'est trop chiant. Je sais pas comment les gens. Parce que sinon, la musique. La vidéo, elle allait durer une heure, frère. Ouais, de fou. Mais en fait, c'est ça les mecs. C'est ça qui est chiant. Ouais, mais. Pff, mais une frère, heure, c'est pas je le Je veux film, pas quoi. Manger, me concentrer sur exactement. Genre vraiment, c'est trop compliqué. Wow. Grave. Mais sinon, c'était trop bien. Et genre, c'est une vidéo. Genre, ça date. Genre, c'était des challenges qui datent de il y a 3 ans. De fou, hein. Et depuis, tu m'appelles en mode. Faut qu'on fasse une vidéo. Aujourd'hui, j'aurais pu faire vlog et tout, tu vois. Mais le truc, c'est que la fête, en fait, on peut pas vloguer parce que, genre, il y a des musiques. Après, on va bannir ma vidéo. Et puis, flemme, en fait, de passer, genre, 5 heures sur mon montage. Et puis après, tout ça pour que, genre, droit d'auteur. Et en plus, ça, on est trop en train de tourner. Si vous savez le tour qu'on a. Grave. Les trucs qu'on a abordés, je sais même pas qu'on allait filmer. Grave. Je te dis, la caméra, elle allait se mettre où parce que j'avais ça qui seulement suivez la sur Instagram et puis c'est tout. Vraiment, suivez-moi sur Instagram et puis vous verrez sûrement des extraits de ma fête. Et puis là, on va voir si la Côte d'Ivoire va perdre ou va gagner. Attends, ils jouent contre qui? Mali, toi aussi, tu veux. Ils sont forts quand même, les Maliens. L'humilité, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. En tout cas, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.